Il est vraiment trop fort, François Vernier. Il arrive à démontrer, par exemple, que la potentille de Norvège, celle qu'on trouve en Alsace, a été apportée par les Allemands pendant la guerre de 1870, alors que la potentille de Norvège qu'on trouve le long de la route de Tiefos, dans les Hauts-de-Vosges, elle a été apportée pendant la Première Guerre mondiale par les Américains entre, précise-t-il, août 1918 et janvier 1919. Ce beau livre très illustré, à la fois d'un point de vue botanique et d'un point de vue historique, raconte l'histoire des plantes obsidionales, une vingtaine d'espèces de la région. Donc, ce mystérieux et beau mot d'obsidional veut dire les rapports avec la guerre et les occupations et les sièges. La Lorraine a été abondamment occupée. Et donc, il démontre, ce livre d'une façon vraiment époustouflante, comment les guerres ont modifié la biodiversité de la région, y compris quelquefois dans les sols.